Audio Jungle. Salut les bébés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est sur un nid de frelon asiatique dans un parpaing, sur un mur. Vous allez voir comment il est placé. Voilà, plutôt dangereux. Hein. Bon, là ils ont mis une isolation sur l'extérieur du parpaing, donc ça se voit de loin. Mais au début, à mon avis, ils ne devaient pas avoir l'isolation. Allez, je vais poser tout ça là. Je me changerai après. Voilà. On va poser la tenue. Et on va aller voir le nid. Bon, il fait beau aujourd'hui. Allez, quatrième nid aujourd'hui. Ça commence fort la saison. On va avoir beaucoup de frelons et beaucoup de vidéos cette année. Allez, je vais vous montrer ça. On va tourner. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Là, vous voyez le tronc d'arbre là. Et dessous, il y a une petite tache au niveau du parpaing. Et c'est le nid. Je ne vais pas trop me rapprocher. Voilà, donc ça n'a pas l'air très très gros. On ne sait pas la grosseur dans le parpaing, mais il va avoir quelques frelons. Donc on va gratter le dessus là et on va mettre de la poudre dans le trou. Allez, je m'habille, je vous dis à de suite. Coucou, laisse-moi ce nid de frelons asiatiques. Je vais m'en occuper. Il va pas faire long feu avec Super Vegeta. Vegeta, tu pourras rien faire. Laisse les mêmes professionnels s'en occuper. Ce sont les meilleurs. Allez, Dédé, à toi. Allez, c'est parti pour le combat. Bon, on commence à souffrir de la chaleur. Heureusement qu'on commence avec celle de Jérémy, hein, qui est plutôt aérée, donc ça fait du bien. Allez, on va aller voir ce nid tranquillement. On va allumer l'autre caméra. Voilà. Allez, on va s'approcher du nid. Donc voilà, je suis en toute sécurité. On va se mettre. Copain qui arrive. Alors là, logiquement, si on casse ça, on a juste un petit trou. Donc le nid doit pas être très 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 gros. Ah, ça commence à sortir. Salut petite ouvrière. Bon, maintenant on va commencer à avoir du monde. Bon, quelques attaques hein, sur... Quelques petites attaques. Le nid est traité. Très très rapide. Regardez tous ces frelons qui sont là. Tout ça, c'est des frelons qui arrivent de l'extérieur. Donc c'est très très important de laisser le nid en place. Bon, là on n'a pas le choix, il est dans le parpaing. On n'a pas le choix. Mais il faut que ces frelons qui sont tout noirs puissent revenir dans le nid. Voilà. Et en plus, vous voyez, ils se battent entre eux. Yo, t'es tout blanc, je te reconnais pas. Alors qu'est-ce que vous en pensez les dédés? C'est pas un endroit dangereux? Il y avait du monde quand même, il y avait du monde qui sort, hein. Il y a du monde. Hein. Ah, les attaques, vous avez vu les attaques? Je les sens, regardez, regardez toutes les attaques sur moi. Voilà. Ça attaque même la caméra, le micro. Voilà.
maintenant il faut faire attention parce qu'ils vont me suivre. On va récupérer l'autre caméra. On va s'éloigner, on va retourner à la voiture. Manière d'être en toute sécurité. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu, il y a de plus en plus de nids à hauteur d'homme, de plus en plus dangereux les emplacements. Depuis le début de saison, j'arrête pas de faire des nids dangereux. Je crois que j'ai fait 2 ou 3 interventions déjà avec des piqûres sur les clients. Donc ça commence très 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 fort cette année. Ouh, il commence à faire très très chaud. Allez, on va essayer de faire ça. Bon voilà les dédés, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. On a déjà dépassé les 10 000 abonnés, donc je suis très content, fier de vous, fier d'avoir plein de petits dédés avec moi. Et je vous dis à très bientôt. Quoi? T'es pas abonné à Dédé Frelon? Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.